soir à 20h45, voilà, c'est ça? C'est tous les dimanches à 20h45, parfois ouais, d'autres, ouais, d'autres soirées quand on a des invités exceptionnels. Ok. Comme par exemple, enfin, il y a une habituée de chez toi qui s'appelle Magali Madissa. Ah, mais ça non, très bien, ça fait longtemps. Ça, je te hein, dis. Ça fait super. Tu regardais pour le baiser quand t'étais petit, toi? Évidemment. Mais tous, qu'est-ce qu'elle a fait, Magali? Tous, tous. Vous êtes tous des fans? Oui. Comme Dorothée aussi? Bah oui, 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 évidemment. Tu nous as fait grandir. Ouais, le Jackie Show. Exactement. Ah bah, ouais, mais tout, okay. Et finalement, on trouve que t'as pas trop changé ces années-là. Tu es très très sympa, ou t'es poli ou quoi? Non, 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 c'est la vérité. C'est la vérité. Ou alors c'est la drogue, ou je sais pas, ça t'a maintenu en... La drogue? Non, je sais pas ce que c'est, moi. Non, non, mais c'est vrai, t'as pas changé par rapport à l'image qu'on avait de toi, c'est génial. Ok, donc vous savez où vous êtes, là? On est dans un camping de rêve. Voilà, voilà, voilà. Je vous présente donc les deux Miss du JDA. Tu as gagné donc des vacances de rêve, ça dure une semaine. C'est vous les vacances de rêve? Bah oui. Non, c'est pas elle, c'est moi normalement. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, il faut que tu m'embrasses. Ok, parti. Voilà. Voilà. Bon, voilà. On va bien la couche. Voilà. Gardez la banderole, les deux filles. Voilà. Bon, alors c'est qu'est-ce un que théâtre, tu veux savoir? C'est un théâtre, c'est un collectif d'impro. En fait, c'est l'école française d'impro théâtrale. On voit rien là. L'improvisation réservée ouais, aux amateurs qui ont envie de se faire plaisir. Ouais, vous êtes tous des amateurs? On est tous, enfin, on est assez professionnels. Ouais. Dans la troupe, on est quelques professionnels, mais il y a principalement des amateurs et dans l'école, il y a 90% d'amateurs. Donc c'est des bénévoles, en quelque sorte. Voilà, bénévolement, pour l'amour des choses, on donne des cours payants. On te donne les filles. Pour une vacance de rêve, je vais vous donner un t-shirt. Je crois que de l'école. Non, mais ça on verra point. Garo, on va voilà, pas discuter. Alors, j'ai ramené ta feuille fiscale. Bon, alors présente-moi un peu tes girls. Qui est Miss Ruby, puisque dans Colors, nous avons tous une couleur. Oui, Miss Ruby. Ah, vous avez. Moi aussi, moi j'ai deux Miss ou t'as une Miss alors? Non. C'est ça, j'en ai plus que ça. Alors, y a Miss Ruby, Miss d'accord. Blue ici. Miss voilà. Blue, comment voilà, tu t'appelles? Marie. Marie, ça va Marie? Ça va très bien. Bon, d'accord. Petite nouvelle, donc à intimider. Oui. Sido, c'est Miss Bordeaux. Miss Bordeaux. Tiens, vas-y, Sido. Voilà, Miss Bordeaux, présente-toi, Sido. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la troupe? Moi, je représente tous les bas-fonds de l'âme humaine. Alors, c'est quoi les bas-fonds de l'âme humaine? Tout ce qu'il y a de plus pervers. Ah, tu es donc une perverse? Genre quoi, dis-moi? La nana qui se fait taper dessus parce qu'elle n'a pas préparé le dîner à temps. Ouais, vraiment, elle se fait bien taper, quoi. Ouais. La petite fille qui se venge un peu sauvagement à coups de batte de baseball parce que sa copine a triché à la marelle. Des petites choses sympathiques. Des trucs intéressants, oui. Des tu m'as l'air fort chaleureux. Sympathique. Vous êtes bien chaleureux, ouais. Et toi, alors? L'univers familial. Oui, bonjour, au revoir. Au revoir. Salut, merci. C'est Swad. C'était sympa au camping. Bon, et toi, ouais, tu fais quoi alors? Moi, je fais de l'impro à l'école française d'improvisation théâtrale. Oui, c'est quoi ta spécialité? Ma spécialité, j'ai pas encore de spécialité, je suis en train de réfléchir à un univers. D'accord, ok. Les animateurs télé, c'est un truc. D'accord. Et toi alors? Alors, moi, c'est le luxe, l'argent, c'est-à-dire le chic, les palaces, moi, je fais de les rois, les châteaux, ouais, les princesses, un petit peu des people aussi. Ouais, les stars, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Voilà. Merci Esteban, et toi tu fais quoi? Alors moi c'est l'univers des enfants. Oui, ah oui, alors c'est vraiment les univers un petit peu de la vie de tous les jours, mais comme on sait les contes de fées, tout ce qu'on a pu vivre, le club Dorothée par exemple pour les trentenaires et plus. Oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, moi c'est le monde vraiment des enfants. Bon, et vous réunissez tous et vous arrivez tous à grouper vos univers comme ça, ça fonctionne ou quoi? Bah bien sûr. Ça bah voilà, bah oui, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est un vrai camping. Toi c'est quoi ton univers? Alors moi c'est donc Mister Turquoise et l'univers de l'audace. Ah, tu es donc un audacieux. C'est ça, et ça peut aller de sauter d'un avion sans parachute jusqu'à inviter sa belle-mère à déjeuner. Par exemple. C'est audacieux d'inviter sa belle-mère. T'en as une belle-mère dans la vie? Oui, alors moi j'ai de la chance. Ouais. Moi j'ai de la chance, elle est merveilleuse, mais bon, c'est pas toujours le cas. Tu dis ça parce qu'elle regarde, non? Certainement. Il dit ça parce que c'est la mère de Miss Bordeaux, sa belle-mère. C'est pour ça. Il y a déjà des trucs. C'est pour souder les liens. Ils sont ensemble. C'est ça. Elle, elle est avec qui? Avec toi, non? Non, elle est avec personne. Enfin, t'en sais rien en même temps. Enfin, en tout cas, elle est pas avec l'équipe. Et vous deux, j'ai l'impression d'être ensemble. Putain, ça, il fallait pas le dire, Jackie. Oui. En même temps, Nicolas, non, c'est Gay Friendly ton émission. Oui, c'est toi. Ah bah écoute, voilà. Ici, c'est le juge idéal, c'est Gay Friendly. Voilà, il y a des poules en plus. Mais oui, c'est ma poule, c'est ma femme, ça s'appelle Sandrine. Sandrine? Oui, j'ai deux enfants avec deux poussins, jaune 1 et jaune 2. Oh, ça c'est mignon. Ah, c'est beau. Et tu l'as appelée Sandrine pourquoi? C'était une ex à toi non, qui t'avait marqué? Non, je l'ai pas appelée Sandrine, elle s'appelait Sandrine. Quand je l'ai rencontrée, elle s'appelait déjà Sandrine. Ah, d'accord. Tu fais ça. Qu'elle est baptisée Sandrine. Tu travailles en famille, c'est bien. Oui, ça. Je travaille en famille. Ah, bon, alors Colors, qu'est-ce que vous allez me faire là? Eh ben écoute, Colors, c'est des petites impros sympathiques. On vous regarde, sur des thèmes. Très bien. Admire-nous, ouais, d'accord. Bah ouais, bah, tiens. Voilà pour aider les fins. Oui. Ah ouais. Si tu veux, tu veux jouer d'un t-shirt. Alors fais attention à son petit micro. Ouais, fais attention à mon micro. Voilà. Ouais, pour IDF1, on va faire une petite impro. Il y a des auditeurs qui appellent ou pas, Jackie, ou pas encore? Oui.
Est-ce qu'un auditeur pourrait appeler pour nous proposer un thème d'impro et non, puis non, vas-y, fais, bon. Parce que sinon, ok, ah, sinon, ouais. Oui, d'accord. Ouais, ok. J'ai écrit, sinon, ah. Ah, oui, oui, bah voilà. Ah, t'as un thème, t'as un super thème. Attends, on va se mettre par là. Non, mais là, je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Plus jamais ça. C'est difficile ça. Non, c'est pas. Un thème non, comme non. Un autre, au contraire. Tiens, voilà. On t'a pris du XL pourtant, Jackie. Tu veux dire que je suis. Oh non, non, pas du tout. Non, non, ça taille petit. C'est le micro qui prend de la place. Ouais, c'est voilà. Le micro voilà. Qui. Mais ça taille petit comme t-shirt. Voilà, École française d'improvisation théâtrale. On va te faire un quickie challenge. Quickie challenge, alors c'est une activité pour aider. Enfin, voici Colors, je vous laisse. Merci, Jackie. Toi dans la pièce. Allez-y. Plus jamais ça. Allez. Allez. Voilà, allez, ouais. On commence avec Franck. Ok, ça va, ton micro est bien. Tu veux l'enlever, non? Oui, je vais l'enlever parce que comme. Ah, bien sûr, Jackie, tiens, tu peux. Attends. Quoi? Si tu veux, hop, on va. Sers-toi du champagne. Ah, il y a champagne. Bah oui. Voilà. Bon, allez, c'est là. Le champagne du camping de rêve. Ça va, voilà. Les gars? Vous jouez à quoi? Les campeurs, hein? Ils jouent au jeu de loi. Ah, c'est génial, ils jouent au jeu de loi sur un album Dorothée, quoi. Bon, alors on y va? Génial. Allez, plus jamais ça. Mesdames et messieurs, je laisse passer la moto, ça fait un bruit monstrueux, et voilà. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme, il s'appelle Herbert, il est adolescent, il a 14 ans, il n'est pas bien beau, il n'est pas bien formé encore, il a une voix très aiguë, mesdames et messieurs, il a des boutons plein le visage, il a les cheveux gras, la nuit il dort, il se retourne dans tous les sens sous sa couette quand il ne fait pas les choses répréhensibles. Mesdames et messieurs, Herbert s'est réveillé ce matin à 7h30 car son réveil l'a réveillé d'un coup, d'un cri strident, il a sursauté dans son lit, mesdames et messieurs, il a caché en hâte les livres un petit peu érotiques qu'il regardait en douce tandis que sa mère rentre dans la chambre et le surprend, lui demande pourquoi il n'est pas encore prêt, mesdames et messieurs. Alors Herbert saute de son lit, commence à s'habiller, il n'a pas le temps de se laver comme à son habitude. Il se regarde dans le miroir, se lisse ses cheveux gras et décide de se mettre un peu de parfum de son père. Il court ensuite au lycée car il sait qu'il a un cours de mathématiques très important avec madame Rombier qui n'est pas du genre à se laisser faire. Il arrive, il s'installe à l'intérieur de la classe. Il est le dernier de la classe, tout le monde le remarque. Herbert est un petit peu le cancre de la classe et en même temps, c'est la tête du Turc. Tout le monde lui balance des boulettes. Une fois, il a même reçu un compas dans l'œil. On l'a emmené aux urgences, mais là, on a oublié de s'occuper de lui. Il est resté pendant des heures à avoir peur, à avoir mal, alors que les autres passaient tout autour de lui aux urgences. Bref, il est autour, il est là, il est assis dans sa classe. Et c'est l'examen de mathématiques qui va commencer, mesdames et messieurs. La professeure, madame Romain, commence à distribuer les copies. Il a peur, il se dit qu'il a fait une impasse, il aurait mieux fait de réviser. Alors, il a une idée géniale, il se dit qu'il a mal à la tête. Et il lui dit qu'il a mal à la tête, qu'il veut aller à l'infirmerie. La professeure l'autorise à aller à l'infirmerie. Alors, il part à l'infirmerie, et là, il commence à courir dans les couloirs. Malheureusement, le surveillant général le voit, et lui court après. Il saute par la fenêtre du deuxième, fait un roulé-boulet. Un roulé-boulet. Il fait un roulé-boulet, mesdames et messieurs, et arrive au milieu de la route. Malheureusement, le lycée est en face du commissariat principal. Tous les flics se mettent à sa poursuite. Ils lancent les sirènes, ils sont derrière lui, ils veulent le rattraper. Ils sautent au-dessus d'un couloir de bus, mesdames et messieurs, évite un Vélib, évite le camion qui arrivait derrière lui à toute allure, mesdames et messieurs. Herbert continue à avancer. Et là, il passe sur un toit, puis un autre toit. Il va de toit en toit, il commence à glisser, il tombe au deuxième étage, il tombe à l'intérieur de la chambre. Et là, il dérange une grand-mère qui s'était endormie en regardant Gigi Déa alors qu'elle faisait un sudoku et que son chat était en train de miauler contre le radiateur, car nous sommes en hiver, mesdames et messieurs. Herbert continue à avancer, il saute, il passe à côté de la cage d'escalier, descend, là il voit les flics qui le poursuivent avec le surveillant général, la prof de maths et tous les élèves du lycée qui sont à sa poursuite. Il continue à courir, mesdames et messieurs, là il voit un Vélib en liberté qui était tenu par un japonais un touriste en France en train de prendre des photos de la tour Eiffel. Il lui arrache son Vélib et il avance et il court et il roule en Vélib, mesdames et messieurs. Malheureusement, il ne voit pas la scène et tombe dans la scène. Il fait un énorme vol plané, arrive dans la scène, malheureusement il y a du courant, il se fait entraîner dans la scène de plus en plus vite. La scène est très longue. Il arrive maintenant dans l'océan Indien, puis dans les courants qui l'amènent dans un endroit glauque. Soudain, il sent des piranhas qui commencent à l'attaquer et à lui manger les pieds, mesdames et messieurs. Alors il se dépêche, il évite un crocodile, il dit bonjour à un surfeur qui passait par là et arrive à s'agripper à une liane. Et là, il respire. Malheureusement, la liane va casser dans un instant. Alors, il s'agrippe à l'arbre, saute le plus vite possible, se retrouve face à Tarzan qui lui demande. Mais là, il se demande ce qui se passe. Alors, il se retourne, continue à avancer dans la jungle, mesdames et messieurs, utilise sa serpe, car il avait une serpe, on ne sait pas pourquoi, pour avoir une serpe, pas un cerf, parce qu'un cerf, c'est pas pratique pour couper les arbres. Il continue à avancer, mesdames et messieurs, à travers les arbres, devant les branchages, c'est terrible. Et là, il tombe sur un village de pygmées, il y a des pygmées autour d'un feu qui commencent à danser, des chants tribaux. Il ne comprend plus rien, il se demande s'il va être sacrifié. On lui attache les pieds avec une liane, on lui attache les mains, j'inquiète, tu me dis quand il faut t'arrêter. Ah, il continue, il se débat, mais on veut sa peau, mesdames et messieurs, et il sent qu'il commence à cramer. Et là, il entend une odeur d'odion, mesdames et messieurs, et se réveille d'un coup. En fait, il était 7h30 du matin et sa mère était en train de préparer un petit déjeuner à base de soupe à l'oignon. Mais il n'y a pas d'école aujourd'hui car nous sommes le premier. Alors Herbert respire et se dit, oh mon Dieu, plus jamais ça. Hey,
base. Ah, c'était Colors, alors plus jamais ça, bravo. Alors, voilà. L'ambulance est pas loin. Hein? Oui. Écoute, ça va. Ça va, Jacques. Tu peux vous faire interner, non? Écoute, ouais. On est venu dans ton émission, on considère que c'est déjà une première étape vers l'internement. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vous regardez souvent le JJDA? Écoute, moi, jamais. Si, non. J'ai te dire, j'ai découvert par Franck, ouais. qui était fan de toi. Et, quoi qui était? Il y a un truc que je comprends pas. Non, mais à l'époque. Qui était fan de moi? Qui était déjà fan de toi à l'époque. Bon, ouais. Oui. Et qui essaye de monter à ton niveau. Ouais. Tu vas peut-être y arriver, mais c'est pas sûr. Hein. Voilà, non, il est bien physique. Alors, je suis complètement au fil d'une phrase et vous partez pendant 10 minutes. Quoi. C'est ça. Mais tu sais, en fait, ouais. Colors, c'est un spectacle avec plein d'impro, d'histoires différentes. Ouais. Là, c'est un quickie challenge, c'est pratique parce que comme on n'a pas tous des micros, etc., pour faire simple, il y en a un qui parle, les autres font. Les autres font des gestes. Énormément d'histoires. Vous chantez aussi entre nous, on chante. On fait une petite chanson. Comédie musicale. Allez, on va faire une petite chanson. Ouais, a cappella, non? Vous savez chanter. C'est ton anniversaire? Ah, c'est ton anniversaire! Ah, ouais, bon, c'est. Ah, je ne savais pas! Tiens, on a prévu du champagne pour toi! Ah, merci! Oh, donc, je te rends ta bouteille de champagne! Ah, tu as quel âge, Esteban? Écoute, j'ai 39 ans, c'est bientôt la fin! Ouais! 39 ans! Ah, ouais, il te reste plus grand chose là, non? Normalement! C'est fini, toi t'as quoi, 45? 46. Ah, moi j'ai 102 ans, moi! Ah, non, 102 ans? Ouais, je le porte bien! Hein. Mais c'est grâce à l'impro, c'est ça que tu fais de l'impro? Ouais, bah regarde! Non, mais attends, hein, Jacky, t'es svelte, t'es en bonne forme et tout! Je t'ai vu dans un truc historique de Léna là! Ouais! De Léna! Léna, ça n'a rien à voir! Léna, c'est autre chose! Voilà! Et Léna, c'est deux trucs différents! C'est comme Zadig et Voltaire. Et Voltaire et Zadig. Ah, tu penses au ministre, là, le femme, c'est ça? Voilà, ouais, tu fais beaucoup de sport, je vois que tu as une piscine, tu fais des. Ah, bah oui, retours, regarde, bah, bien sûr. Est-ce que je peux la tester? Tu m'as vu dans les gobelets. Ouais, je t'ai vu dans une interview avec Decaune à l'époque des Enfants du Rock. Oui. Et je te jure que t'as toujours la même tête, quoi, c'est formidable. C'était vachement gentil, hein. Parce que c'était il y a. Ouh, putain, il y a 25 ans. Pourquoi tu dis putain? Bah, parce que ça. Ça date. Bah, j'étais né déjà. Ah, oui, d'accord. Toi, par exemple, Marie, t'étais pas né, quoi. Ouais, bon. Alors, est-ce que vous pouvez chanter à cappella quelque chose? Ah, ouais, avant de se quitter. Tu nous donnes un thème. Ben, un thème? Ah oui. Le football par exemple. Olé. Hein? Ça tombe mais c'est la pelouse, hein. C'est pas grave, c'est écologique. Non. Tiens, je te laisse faire le service, le football. En plus, elle a mis un petit truc, le football. Ça te branche? Bah écoute, moi tout me branche. Hein, les filles, pas vraiment, non? Allez. Ouais, allez-y, voilà, mais on y va. Tu vas chanter avec nous? Non, je connais pas les paroles. Mais nous non plus. Bon d'accord, bah. Alors, a cappella le football. Voilà. Moi je vous suis, je vous suis. Bon allez, je vous suis. Allez, ouais, allez. 2, 3, les Colors. Ce soir, je suis rentré à la maison, pour ne pas faillir à la tradition. La tradition, c'était le soir du championnat. Championnat. Il fallait encore négocier avec ma nana. Bon, avec ma nana. Vous faites ça sur scène? Ouais, enfin, ça marche. Non, mais c'est mieux, c'est que le début là. Ah, c'est que le début, d'accord. Okay. Puis en fait, on est assez intimidé d'être avec toi, avec les Jackie Girls. Je comprends. Ah, les Jackie Girls, c'est pas mal aussi. Avec ce que vous venez de nous faire, vous faites du buzz tout de suite. Non, mais c'est sympa, hein, merci. Hein. Alors, Jackie, tu sais que le principe de Color, c'est qu'on a tous les dimanches un invité. Voilà. D'accord. Qui est un comédien ou humoriste ou personne de télé ou personne connue ou Pete ou voilà. Et donc on en a profité, voilà. Ouais. On te demande de on devenir. Te propose. Eh bien, devant les millions de téléspectateurs d'IDF1, je vous dis d'accord. Je viens un dimanche au gymnase. Mais alors c'est de l'impro, on peut pas répéter avant. C'est de l'impro, mais tu ne seras que dans la bienveillance. Si tu es à la ramasse, on sera là, on va te soutenir, on va t'emmener avec nous. Oui. Avec douceur et complicité. Je ne suis jamais à la ramasse. Alors dans ce cas-là, si tu as des figurants, Jacqueline, nous te suivrons. Je crois pas. Non, je te serre pas la main, je te la tiens. Oui, bah justement. Allez, on va faire la chaîne de l'amour avec Jacqueline. Ah, la chaîne de l'amour. Jacqueline, on l'aime. Tu vas venir avec nous faire des impros. Moi, je suis pas sûr. Hein. Et sur scène, tu seras le plus beau. Merci, Colors. On les applaudit très, très fort. On les retrouve tous les dimanches à 20h45 au gymnase. C'est super. Merci. Bientôt avec Jackie en Mr. White. Bon, ça vous a plu, la voice? Ça m'a beaucoup plu, monsieur Jackie. Bon. Mais il est maintenant l'heure d'un rendez-vous très important. Lequel? Le confessionnal. Ah, Miss JJDA. Et je vais donc appeler par ordre alphabétique. Oui. Et la première à entrer dans le confessionnal, c'est-à-dire dans la caravane, oui. Eh bien, ce sera Kelly.
Kelly, s'il te plaît, voilà, il y a aussi un confessionnal, comme toute émission de télé-réalité. Père Jackie, nous te laissons faire ton office. Oui. Non, non, vous pouvez rester là, hein. Ah, non, non, vous pouvez profiter de la piscine aussi. Kelly, oui, merci. Il n'y a que toi et les téléspectateurs qui peuvent m'entendre. D'accord. Kelly, oui. Que penses-tu de Jackie? Oh, Jackie, c'est un merveilleux homme. Tu m'entends? D'accord. Le petit, d'accord. Jackie, il est talentueux, je l'adore, il est paternel et c'est quelqu'un de très bien. Allô? La voice? Oui, mais je ne vous entends pas, Kelly. Oui, j'ai dit que Jackie, c'était quelqu'un de très talentueux, de très gentil et de très paternel. Allô, la voice? Bon, ben c'est très bien. Pour aujourd'hui, ce sera suffisant. D'accord. Donc, maintenant, c'est Vanessa qui va rejoindre le confessionnal. Ok. Vanessa ? La voix n'a rien entendu. Ah, oui, on n'entend rien. Vanessa, tu es prête ? Oui. Tu es au confessionnal, allez. Je veux... C'est, voilà. C'est dans les toilettes ? Vanessa ? Oui, ce sont... Non, tu restes dans la caravane, tu ici regardes bien la caméra. Voilà. Voilà. Et comme Kelly, tu me dis ce que tu penses de Jackie. Ce que je pense de Jackie ? On le verra demain. Demain? Tu veux pas répondre ce soir? J'ai encore du mal à me faire une idée pour ce soir. J'attends qu'il se lâche un petit peu ce soir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Tu merci peux maintenant sortir du confessionnal. Oh, merci. Monsieur Jackie, vous m'entendez? Oui, la voix, je vous entends très très bien. Eh bien, c'est formidable. Oui. Alors, je rappelle très vite le jeu pour éliminer un objet demain. Allez-y. Vous savez que demain, il faudra enlever soit une TV... Soit un maquillage et la brosse de cheveux des Miss. D'accord. Soit votre brosse à dents et votre dentifrice. Ma brosse à dents, mon dentifrice. Donc je donnerai le résultat demain à 9h. Oui. Et d'ici là, éliminez l'objet en tapant objet au 72 072. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir la voice. Enfin, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Encore merci d'être venu. Donc on rappelle, c'est tous les dimanches à 20h45 au gymnase. C'est ça, au théâtre du gymnase. Allez, on les applaudit très très fort. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur Dailymotion et idf1.fr. Et bah, à très vite sur IDF1. C'est parti. Bravo les colors. Bravo. Je te dis au revoir, hein, sympa. Ça fut court mais intense. Au revoir. Salut. Quand il veut. On continue à sourire. Ça, voilà.